comment j'ai faim là. Il n'y a rien ici que des boîtes vides et de l'herbe sèche quoi. Je vais jeter un coup d'œil là-bas quoi. Il est vide en plus, j'ai pas mangé depuis 3 jours quoi, et j'ai vraiment faim quoi, je ne sais pas ce que je vais faire, je vais continuer à chercher les gars, pour voir si je peux trouver quelque chose à manger. Ah. Les gars, regardez ces vilains quoi, il y a certainement quelque chose à manger là-bas quoi, il aura pitié de moi quoi, parce que j'ai très faim ouais. Ah. Oh monsieur, peut-être qu'il va me donner à manger lui, on va voir quoi, peut-être qu'on va voir essayer quand même, j'aimerais bien qu'il me donne un truc à manger. Ah, je vais prendre des selfies pour qu'il voit à quel point je suis riche. Monsieur, monsieur, vous pouvez peut-être me donner au moins un petit euro quoi, allez. Quoi, Stas, qu'est-ce que t'es devenu toi le mendiant? Regarde-moi, je suis un homme riche maintenant. Ouais, je vois que tu es riche quoi, comment tu peux avoir une si grosse voiture quoi? T'es qu'un gamin, bordel, c'est un gamin. J'ai acheté cette voiture juste pour les photos, pour que tout le monde puisse voir à quel point je suis riche et cool. Oh, mais puisque tu as tant d'argent, mon frère chéri, pourquoi ne me donnerais-tu pas quelque chose à manger, quoi? S'il te plaît, sois sympa, allez. Mais comment je peux te laisser rentrer? Tu pues, d'accord? Attends, j'appelle Raffario. Raffario, il est mon père, quoi. Je l'ai pas vu depuis 10 ans, je vous assure, c'est nul. Allô, Raffario, tu m'entends? Je voudrais te demander si je peux laisser un mendiant rentrer dans notre maison. Du mendiant, ouais. C'est vrai, mais j'avais oublié. Pas dehors? Très bien, très bien. Ne t'inquiète pas, attends, Raffario va sortir. A few moments later. Ouais, Odyssée, qu'est-ce qui se passe? Oh, il fait vraiment chaud. Oh, c'est qui ça? Pourquoi est-ce que ça pue autant? C'est dégueulasse, Berk. C'est ton propre fils, Stas. Mais Raffario, rien que je te prenne. Ne t'approche pas de moi. Pourquoi tu pues autant? Si tu es mon fils, tu ne devrais pas puer comme ça. Mais c'est pas de ma faute, sinon chercher la nourriture dans les poubelles, les gars, c'est nul. Quelle poubelle? Si tu cherches de la nourriture dans les poubelles, tu ne peux pas être comme nous, tu comprends? Fous le camp, fous le camp! Mais allez, on est du même sang, les gars! Et toi, t'es mon frère! Pourquoi es-tu venu ici? Tu vis sur une décharge! Parce que j'ai pas trouvé de nourriture dans la poubelle et que j'ai faim, vraiment très faim, s'il te plaît! Si c'est comme ça, tu es mon fils, il y a mangé. Enfin, j'ai pas mangé depuis des jours, ouais! Viens! Viens, viens! Oh, c'est si cool chez toi! Waouh! On va te donner à manger, Stas, ne t'inquiète pas. Je vais m'asseoir ici. Attends, c'est une chaise très chère. Couvrons-la de cellophane. Comme ça, c'est une chaise très chère. Maintenant, assieds-toi. Mais quoi, alors je m'assois quoi? Maintenant, je veux de la nourriture chère, puisque vous êtes riche, d'accord, parce que j'ai très faim. Stas, bien sûr que nous allons te nourrir. Qu'est-ce que tu crois, qu'on va te laisser affamer? Later. Un morceau de pain seulement, quoi. Vous dites que vous êtes si riche et vous vous donnez qu'un morceau de pain, les mecs. Nous aussi, on mange comme ça. Tu crois peut-être qu'on mange du caviar ici? Non, on mange toujours comme vous ça. Vous n'avez rien d'autre qu'un morceau de pain pour moi, les mecs. Qu'est-ce que tu croyais? On mange pas de caviar ni de homard. Qu'est-ce que vous mangez alors? Seulement du pain? Seulement du pain, ouais. Si tu veux devenir riche, il faut que tu manges que du pain. Ah, oui, d'accord. Et moi aussi, alors, je mangerai que du pain. Non, il y aura si en plus. Mange, mon garçon. Tu seras fort comme ton père et riche comme ton père. Alors, t'as mangé, pauvre bougre? J'ai mangé, les gars, merci vraiment beaucoup. Tu vois, on t'a donné le dernier morceau de pain. Après tout, tu es mon fils. Et maintenant, on y va. On va se laver les mains, allez. C'est ça, on se lave les mains. Pas, ça fait 5 mois que je me suis pas lavé les mains, regardez. Allez, passe, mon garçon. Allez, merci attention, beaucoup, attention. Mieux vaut ne pas s'embrasser, hein, tu sais. De l'eau, les amis, j'y crois pas, enfin de l'eau, quoi. Merci, j'ai une femme ici attentionnée qui m'aime beaucoup et me soutient toujours, oui. Oh. Mes amis, regardez, nous avons du serpentin et nous allons faire une farce à Stas. Ouais, attends un peu. Quand il ressortira, vous verrez tout. Préparez-vous. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi vous faites ça? Parce que nous avons décidé de te baigner dans du serpentin. Ne t'inquiète pas, tu es propre maintenant. Mais je vais te faire le visage, les gars. Non, mais c'est nul. C'est bon, ne pleure pas comme une petite fille. Descendons, ça suffit. C'est bon, allez, on y va. Je sais pas, je croyais qu'il m'aimait, mais en fait, il se fout de ma gueule. Non, c'est nul. Mais bon, les amis, si vous m'aimez, est-ce que vous m'aimez? Est-ce qu'un tout petit peu, abonnez-vous, mes amis. Voyez ce qu'il me faut, quoi. Il ne m'aime pas. J'espère que vous m'aimez au moins un petit peu quand même, un petit peu. Few inches later. Les gars, je vais m'asseoir à côté de vous aussi, d'accord? Hop, non, tu descends. Terre,
Si tu veux être riche, tu dois d'abord te mettre par terre, puis tu monteras petit à petit. C'est comme ça dans la vie. D'accord, je vais m'asseoir par terre, je suis déjà assis sur le trottoir dans la rue maintenant. Chaque chose en son temps, ne te presse pas. Qu'est-ce que vous regardez alors? Nous regardons la meilleure chaîne du monde entier. J'ai le show. C'est notre chaîne, ça. Votre chaîne? Et moi, pourquoi je ne travaille pas avec vous et vous ne tourne pas avec vous dans vos vidéos, alors? Parce que tu es analphabète et que tu ne sais rien. C'est pour ça que tu en es arrivé là. Vous aussi, les gars, vous devriez aller à l'école, lire des livres, comme ça vous ne serez pas mendiant comme ça, c'est clair? Pourquoi tu m'as frappé en rien? Tu l'as bien mérité. Tu n'es pas allé à l'école, tu n'as pas lu de livres. D'accord, mais si je vis déjà dans une poubelle, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi ils vont me frapper? Vous filmez de très bonnes vidéos, je vois, quand même. Tu es prêt? Tu sais ce que je vais faire maintenant? Tu vois, c'est pour ça qu'on est si riche. Rafario, ça dit d'aller nager dans la piscine? Oh, vous avez même une piscine? Vous avez même une piscine, les gars, là? Bah ouais, on a une piscine. Ne t'inquiète pas, pas de problème. Viens, je vais te montrer. Oh, les gars, j'ai jamais nagé dans une piscine de toute ma vie. Vous vous rendez compte, les gars? Oui, c'est vrai. Allez, c'est juste une piscine, rien de spécial. Non, les gars, qu'est-ce que je suis bien chez vous, les riches, trop cool. Vous avez une piscine, vous avez un grand jardin, et vous avez même des cocktails. Nous, les riches, on boit des cocktails presque toute la journée. Oh ouais, je vais en prendre un, attends. C'est très beau, ouais, Oui, Stas, et si on allait se baigner? Parce que tu pues tellement... Oh, t'es dégoûtant. Se baigner dans la piscine? Vraiment, les gars, j'aimerais bien, mais je ne sais pas nager. Comment je fais pour nager? Je sais pas faire, moi, aidez-moi, alors. Tu ne sais pas nager? Mais je sais pas... C'est facile. Hé, l'imbécile, c'est vraiment pas profond, tu peux tenir sur tes pieds, en fait. Vraiment, je vais essayer, ouais. Ah ouais, je vois, j'arrive, en fait, ouais. Ouais, je vois, c'est un mendiant et c'est un imbécile, en plus. Oui, Rafario, mais... les copains, c'est vraiment trop bon, c'est trop cool, je me suis jamais baigné depuis des mois, Oui, tu vas enfin te baigner. Oh. La pizza est livrée. Rafario, allons manger plutôt. Ouais, allons-y. Sors de là, pauvre bougre. Mets de nouveaux vêtements et allons manger. J'arrive maintenant. Voilà, Rafario, notre super pizza. Mais j'ai une idée, Rafario. Ouais, vas-y, dis-moi. Quelle est ton idée, Odyssée? Pendant que Stas se change, mangeons toute la pizza. C'est une très bonne idée. Regardez comme la pizza est délicieuse. J'ai vraiment envie de la manger. Ah. 1 hour later. Oh, les gars, j'ai pizza, j'ai jamais mangé de pizza, ouais, est-ce que je peux goûter? Bien sûr, toutes ces pizzas sont pour toi, mange autant que tu veux. Les amis, c'est incroyable, c'est la première fois que je mange de la pizza, j'en raffole, les amis, Mais c'est pas une pizza, là, c'est quoi, les gars? Vous faites quoi, là? Mais non! Calme-toi, il y a une autre boîte, regarde. Oh, merci, franchement, je mange. Maintenant, comment je fais ça avec ça, vous êtes... C'était très drôle. C'est pas drôle du tout, c'est pas juste, bordel. La pizza était très bonne. Bon, Stas, calme-toi, je vais te confier un secret. Vas-y, raconte. Tu es fou, c'est dégueulasse. Allez, Stas, mange. C'est mieux que de manger dans la poubelle, tout est frais. J'en ai rien à foutre, je préfère manger dans les poubelles que de manger direct après vous, les gars. Vous me respectez pas du tout, vous êtes ma famille. Toi, t'es mon père, toi, t'es mon frère. Et vous comportez comme ça, je m'en vais. Je préfère vivre dans la rue, dans les ordures. Trou du cul, sans amour. Ah, tu nous traites comme ça, nous sommes gentils. Tu ne comprends pas, tu devras devenir un homme. Tu dois manger tout ce qu'il y a à manger. Si tu fais partie de GL Armée. Oui. Non, ça, les amis, c'est pas la famille du tout, quoi. C'est des méchants, c'est affreux, quoi. Je viens de leur famille et ils me font ça, vous rendez compte? C'est avec quoi, les amis? Oui, c'est une bonne idée, ouais. Je vais me venger ces deux, vous m'entendre, croyez-moi. Ça va être bien, vous allez voir et vous comprendre. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que notre pauvre bougre fait encore là? Il a peut-être oublié de sortir ses déchets ici. Ouais, allez, on y va, on va voir. C'est encore toi, pauvre con. Ouais, c'est moi, vous êtes des youtubeurs et je veux prendre vos autographes, vous comprenez? Ah, tu veux nos autographes, bien sûr, ouais, nous sommes très célèbres. Qu'est-ce que tu la veux, ici? Même toi, Stas, tu es devenu notre fan. Voilà, mon autographe, tiens. J'espère que tu ne nous dérangeras merci plus. Merci beaucoup, merci. Allez, salut, ouais, salut.
Mes amis, vous n'allez pas le croire, c'est moi qui les ai piégés. Regarde, tout à l'heure, Fario a signé un document selon lequel sa maison et tout l'argent qu'ils ont maintenant, ils sont à moi. Maintenant, je vais signer et tout sera à moi, quoi. Et oui, les gars, c'est comme ça. Ouais, la police va venir leur prendre tout ça, parce que maintenant, tout est à moi, je vous assure, ouais. Encore ce pauvre bâtard. Oh mince, il veut pas se calmer. Il veut pas vivre sans nous, celui-là. Allez, on ouvre et on le met dehors. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Allez, sortez, j'ai dit là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à faire? Vous avez signé ce papier-là, non? Qu'est-ce que nous avons signé? Je comprends pas, Odyssée. Que nous avons donné notre maison à Stas. Sortez, c'est ma maison et mon argent. Il s'avère que j'avais raison, mes amis. C'est très facile de devenir riche. Et ouais, et tant pis pour ce dépourvu de connard, quoi. Je suis ici dans ma villa maintenant. Tout est à moi et l'argent aussi est à moi. Allez, Odyssée, allons chercher quelque chose à manger. Regarde, Odyssée, regarde ce que j'ai trouvé, regarde. C'est bien. Oh, Raffario, tout est devenu un boomerang. Maintenant, c'est nous qui mangeons le reste. Ouais, Odyssée. Mes amis, vous ne devez jamais faire ce que nous avons fait à Stas, d'accord? Oui, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez vos likes, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Cliquez sur la clochette, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, les gars. Et à plus tard.